Salut tout le monde, c'est Hartman et on se retrouve aujourd'hui pour faire le tombeau de Bigreen. Hop, je grimpe sur mon cheval. Donc le tombeau de Bigreen, c'est une quête hebdomadaire pour récupérer des ressources pour la campagne d'Icewind Dale. Bon, là je récupère mes quêtes journalières. Après je vais pas les montrer forcément. Ils aillent tous courir après cette... Il faut que quelqu'un s'occupe des géants de givre. Encore une autre caravane marchande est portée disparue. Fort comme Yeti. Yeti mangeait maman. Gangor grand comme chaton. Je lutterai juste. Les trolls de glace du cœur de la vallée ont pillé nos temples. Les nains sont trop violents. Je compte bien protéger mon peuple. Le clan Battlehammer a fourni des provisions à Kaer Konig depuis que nous sommes arrivés dans la région. Le symbole des Battlehammer. Nous devons à tout prix protéger, même s'il est. Et c'est parti, Ti. Je vais regarder la fenêtre de discussion là. Allez, hop. Donc on va au Cold Icewind. Ce sera dans une prochaine vidéo où on ira à la vallée des nains. Dans la vallée des nains, nanana, nanana, dans la vallée des nains, nanana, nanana. Je sais, il y a encore des gens qui vont se plaindre dans les commentaires qu'il faut pas que je chante, que je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Non, je vais pas tabasser des champs de givre, ça sert à rien. Je crois que j'ai récupéré suffisamment de ressources dans cette partie-là d'Icewind Dale pour ne pas avoir à revenir. Je suis en train de regarder la fenêtre de conversation en même temps, donc... un petit raccourci. Siou. Ouais. Il y a une super mauvaise ambiance dans ma guilde. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit bonjour, il y a tout le monde qui lui répond bonjour et tout. Salut, ça va? On passe 2 heures à chaque fois à se dire bonjour. Les gens, ils sont trop sympas. Moi, ça me fait peur. Les mecs ici quand même ils sont costauds. Je sais qu'avec mon sorcier... Bah, mon sorcier il est puissant. Mais par contre en espérance de vie tout seul, faut que je fasse super gaffe. Allez, je vais quand même virer la... Bon, maintenant on peut pas... On peut pas virer la barre de dialogue. Tant pis.
Comme ça, vous verrez qu'il y a une super bonne ambiance. Hey ! Pardon. Je me suis fait attaquer par mon pet de compagnie. Hop. Ouais. J'ai un pet de compagnie très envahissant. Alors en fait, sa technique, c'est sauter sur les genoux. Et ensuite de sauter sur mon bureau pour voir s'il n'y a pas un truc à bouffer. Voilà, j'aurais dit que fallait être sage. Et là ils vont me virer, ils vont me virer de la guilde. Toujours les mêmes pouvoirs, je suis en train de chercher qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire. Je m'étais même pas buffé. Il est en sa cage. Il veut sortir. Avant, c'était pas aussi dur que ça. Je rigole tout seul. Dun, 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 dun. Oh, je m'en fous. Je suis un fou. Moi.
Voilà. Je dis qu'il y a une bonne ambiance et du coup on me remercie, c'est gentil. Voilà. Alors là, il y a du monde. Heureusement, il est costaud mon personnage. Allez, là, je vais utiliser un peu mon artefact. Bon, après, c'est pas hyper utile. Vu comment je suis résistant. Je me prends plein de dégâts. Ah ouais. Donc là, il s'est... Ouais. Je regarde en même temps la barre de discussion. Vous voyez que c'est très actif. Ça, c'est mal fait, le coup de la barre de vie qui est trop pour l'écran, parce que jouer comme ça c'est pas génial quoi. Je peux pas regarder les zones de dégâts au sol. Là, je récupère plein d'objets verts. C'est pour sublimer mon équipement. Vu qu'il y a un week-end de sublimation doublée. Ouais, par contre, ça va me pourrir mon inventaire. Donc, ce que je vais faire avant d'aller tabasser Bigrim, je vais sublimer quelques trucs. Là, va y avoir du monde à tabasser. Bill Grimm, c'est le mec sur le trône. Voilà, ça va y aller. J'utilise mon artefact. Se débarrasser en priorité des nécrophages, parce que au fur et à mesure qu'on tue des petits zombies des glaces, ils en font repopper d'autres. J'ai même pas vu combien je lui ai fait de dégâts. Big Ring. Alors, par contre, avec Big Ring, lui, il y a tout le temps des loups arctiques là, qui se ramènent. Donc je vais le tabasser lui et... Sans souci des autres. Ça va être un peu long, parce qu'il est costaud.
si je suis claustrophobe. Ah. Décidément. Ils ont peut-être balancé les loups. Mais qu'est-ce qu'il me fait mon personnage? Bon, alors ne faites pas ça si vous avez un sorcier. Vous n'allez pas faire ça très longtemps. Quand je pense que j'ai dépensé des points de compétences pour augmenter mon drain de vie lorsque j'ai moins de 50% de ma vie. Ah, oh, c'est des points de gâchis, ça. Allez, il reste 30% de sa vie. Ah, il m'a piqué de la vie. Quel enfant. Et voilà. Il est muerté. Donc il n'y a plus qu'à me débarrasser des autres bêtes. Eux, ils sont quand même beaucoup moins costauds. Au-dessus du sol. C'était pas un combat très épique. Donc ce qui m'intéressait, c'était les 50 écus de Koenig. Hop. Donc je ressors du tombeau. Est-ce qu'il y a autre chose à parler pour Pegwin? Je ne crois pas. Vous ne pouvez pas passer les mecs. J'ai une approche tellement furtive. Hop. Allez, je retourne en Viville. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Ah, il y a un épouvantail lui aussi. Oh, un Yeti. Oh, deux Yeti. Oh, des géants de givre. Hop. Aïe. Ça me prend à faire mon mal. Vous m'aurez jamais vu. J'ai même pas besoin de la... Il n'y a personne à qui la rendre. Bon, je vais aller vérifier, mais... Non. Alors. Bon, alors, ce que je vais faire...
je vais me rendre à la vallée des nains. Hop. Et je vais arrêter ma vidéo ici. Donc je vous dis à bientôt tout le monde pour la vallée des nains. Salut.